Alors welcome les gens, voilà, petite vidéo donc pour information, j'enregistre ça un petit peu en même temps en mode story, donc vous avez peut-être déjà vu les stories depuis quelques jours sur les réseaux sociaux, Instagram, etc. Et voilà, sur TikTok, et évidemment aujourd'hui, voilà, plutôt que de vous mettre une compilation de ces stories, voilà, j'ai fait l'enregistrement simultanément, comme ça, voilà, petite vidéo de qualité, voilà, en 16:9, etc. pour le prestige, hein, comme on dirait. Donc les gars, aujourd'hui, ma question est, voilà, peut-être par rapport au titre de cette vidéo, de cette story, etc. Mais connaissez-vous le kumquat? Alors, personnellement, le kumquat, je ne connaissais pas. Bon, je vais pas dire c'est de aujourd'hui, mais je ne connaissais pas spécialement le kumquat de base. Et je l'ai un petit peu découvert grâce au gurki des familles avec la petite sauce pimentée. Voilà, la sauce, la kumquat crush, petite sauce au piment du gurki et son père, voilà, qui ont vraiment réalisé cette sauce. Alors, sachez qu'il y aura prochainement une vidéo sur la chaîne où on testera cette sauce ainsi que d'autres petites sauces, les gars, des amis, des petites sauces pimentées au calme. Et donc voilà, c'était la période, donc je vous fais ça en story vidéo maintenant parce que bah, après il y en aura peut-être plus, etc. Mais voilà le kumquat, les gars, le kumquat qui de base, bon, on dirait des mini oranges, des mini clémentines, etc. Et d'après mon expérience, bah, l'expérience du retour d'internet, c'est que ça se mange comme ça complètement avec la peau, donc je n'ai pas du tout d'idées, voilà, du goût, etc. Alors quand on sent, ouais, on pourrait dire ça peut tirer un petit peu sur de l'orange, de la mandarine, etc. Mais je ne sais pas exactement. Bon, alors voilà, une petite tige, je suppose qu'on va là, voilà, on va la retirer, mais on va croquer ce kumquat des familles, les gars, pour vraiment vous donner mon ressenti, parce que je ne connais pas, j'en ai jamais mangé. Donc les gars, c'est parti, on le met en bouche et on croque direct, c'est plus simple, hein. Mmh. Alors effectivement, on a l'impression de manger, ouais, une orange, une mandarine, une clémentine. Alors la peau se mâche bien, franchement, elle se mâche vraiment bien. Ah, c'est pas que c'est acide, c'est que là j'ai pris tout. Elle est vraiment juteuse, c'est vraiment juteux, les gars, c'est vraiment très 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 bon. Et ce qu'on va faire, regardez, je vais en prendre une petite et on va la couper en deux. On enlève la petite peau pour regarder vraiment l'intérieur. Voilà, donc ouais, c'est un petit peu pareil qu'une orange, hein, voilà. Voilà, je vous le montre ici pour ceux qui voient la vidéo, ici pour ceux qui voient la story. Donc voilà, l'intérieur, c'est de qualité. Et c'est vrai, je suis sûr que certains d'entre vous ont déjà peut-être goûté le kumquat et vous avez passé votre temps à l'éplucher, etc. Il n'y a pas besoin, les gars, franchement. C'est très bon. Si vous kiffez l'orange, si vous kiffez tout ce qui est, ouais, mandarine, clémentine, etc. C'est vraiment ce petit goût un peu sucré et... Et ben j'aime bien, voilà, j'aime bien. Je savais pas du tout à quoi m'attendre, hormis une légère odeur d'orange, mais c'est très très bon et c'est très 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 approuvé, les gars. Donc écoutez, pour la route, et dire que la vidéo dure quand même au moins 5 minutes, pour ceux qui regardaient sur YouTube, si vous êtes en story, vous avez l'exclusivité, les gars. Mais sachez que ça sortira, ben, la même chose, exactement la même chose, mais voilà, il y aura le petit souvenir sur YouTube et vous pourrez le partager. De qualité, voilà. Donc le kumquat, dites-moi ce que vous connaissez du kumquat, si vous avez déjà testé, goûté, si vous kiffez ou pas. Après, bon, si vous n'aimez pas les oranges, les clémentines et tout ce type de fruits, je pense que vous n'aimerez pas. Mais c'est approuvé. Ça fait un peu bizarre de se dire, oui, on mange la peau, etc., façon de parler, mais ça se mâche bien, ça se croque bien, ça s'avale bien. C'est un pur délice, les gars. Donc ben voilà les gars, tout ça pour vous redire, voilà, pour ceux qui ne sont peut-être pas au courant, mais que justement j'avais acquis la petite sauce au piment du gurki qui justement est à base de kumquat. Alors je sais qu'il y a de la vanille, etc., etc. Je vous en reparlerai, évidemment il y a du piment bien sûr, je vous en parlerai prochainement. J'attends le jour J, le meilleur moment, façon de parler, pour tester cette sauce ainsi que d'autres sauces pimentées. Alors soit avec du nugget, soit avec des tenders, etc. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires avec quoi vous préférez, ben qu'on teste, voilà, ça c'est le truc de fou, hein, la sauce de la mort. Alors peut-être que la sauce du gurki est encore plus piquante, hein, voilà, je ne sais pas, mais voilà, vous verrez ça dans une prochaine vidéo, les gars. En tout cas, je voulais vraiment avoir un retour du kumquat et pas se dire, allez, on va commencer à manger des kumquats pour avoir le ressenti, le retour du kumquat, avant vraiment de goûter cette sauce. Ben, au kumquat, hein, avec de la base du kumquat, avoir une idée, une vraie idée réelle du fruit, de ce que ça vaut. Et ouais, du piment avec du kumquat, voilà, je sais qu'il y a des arômes de vanille et plein d'autres choses que je vous en reparlerai plus tard, ben, dans une prochaine vidéo, les gars. Le kumquat, c'est très bon, c'est la vie, c'est approuvé. Et c'est bien juteux,
Franchement, c'est très, 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 très bon. Donc voilà les gars, c'était vraiment cette petite vidéo pour vous partager un petit peu, vous donner mon retour sur le kumquat. Alors oui, c'est comme de l'orange, c'est comme clémentine orange, mais j'ai vraiment mon ressenti personnel, c'est un petit fruit un petit peu sucré, etc. Et je pense que dans la sauce du gurki, ça doit être une tuerie. Donc ça arrivera prochainement sur la chaîne, ce n'est pas encore enregistré, ça sortira je ne sais pas quand. Voilà, si vous êtes un big boss du piment, on peut s'arranger peut-être pour se voir IRL. Si vraiment vous voulez tester des sauces pimentées avec moi, on s'arrange les gars et on se fait ça ensemble prochainement. Dédicace aux personnes qui ont déjà fait des vidéos avec moi ou d'autres personnes qui ont envie de me rencontrer peut-être IRL pour faire une vidéo avec moi, c'est l'occasion les gars si vous voulez tester du piment. Après on se prendra une petite bière et d'autres petits trucs à l'occasion. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche de notification. 2024 les gars, on explose le YouTube game. Donc je vous ferai des vidéos, on en reparlera en story sur Discord, les réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt pour un prochain live, une prochaine vidéo ou une petite rediffusion de live. On a le live du nouvel an et encore une fois bonne année à tous les gars et à très bientôt. Ciao ciao.